Suite à une idée donc émanant de l'Office de tourisme pour organiser une bourse d'échange, j'ai durant 2 mois participé activement à cette organisation. Donc notamment, nous avons invité les comités départementaux du tourisme du Val d'Oise et de l'Oise qui étaient présents aujourd'hui. Et nous avons de nombreux sites touristiques et offices de tourisme de plusieurs départements et donc de la région qui sont présents aujourd'hui. Nous avons également invité des hôtels de Roissy en France et du territoire de Roissy en France qui sont venus à cette journée. Et donc nous pouvons dire que c'est un franc succès puisque nous avons plusieurs hôtels qui sont venus et nous avons également de nombreux participants. La bourse d'échange, en fait, elle a été montée avec Thierry Bogatic, directeur de l'Office de tourisme de Roissy qui nous accueille aujourd'hui. Le but est tout simple, c'est de créer un lieu d'échange à la fois convivial et professionnel parce qu'on est là aussi pour travailler et que chacun des prescripteurs, des acteurs touristiques à la fois valdoisiens mais également des départements limitrophes, aussi bien de l'Oise, de Seine-et-Marne et également de Seine-Saint-Denis, hein, parce que je crois que j'ai vu le musée de l'air et de l'espace, que tous ces gens-là puissent se rencontrer en un même lieu, dans un moment commun. Et de pouvoir échanger. Alors aussi bien des choses très très pragmatiques comme la documentation, hein, pour que chaque documentation soit bien présente dans chacun des lieux de passage de touristes, et également se tenir un petit peu au courant, informé à la fois des événements, de l'actualité, de chacun des sites. Le mérite de l'organisation revient à l'Office de tourisme de Roissy, c'est lui qui a un petit peu aussi œuvré dans ce sens-là. Nous, notre rôle, il est de multiplier ce type d'opération dans d'autres endroits du département. Donc on est en pourparlers avec soit d'autres offices de tourisme, soit directement d'autres sites. Le château d'Auvert, l'abbaye de Royaumont, le château d'Écouens, le groupe Barrière à Enghien, et puis un petit peu plus loin de Roissy, toute la partie Vexin, de façon à pouvoir effectivement mailler un petit peu tout ce territoire touristique départemental. Je suis satisfaite de cette bourse d'échange organisée par le CDT du Val d'Oise et l'Office de tourisme de Roissy en France. Nous avons gentiment été invités, c'est avec plaisir qu'on est présent. Et c'est très intéressant de rencontrer les autres territoires qui ne sont finalement pas si loin que ça de l'Oise. On a des territoires en commun, comme le parc naturel Ouest Pays de France, avec lesquels nous travaillons, comme le château d'Écouens, etc. Donc c'est très intéressant de pouvoir se retrouver sur une après-midi, échanger aussi bien notre documentation que notre expérience, que notre programmation. Donc voilà, donc un bon moment à passer ensemble entre acteurs du tourisme et aussi les visiteurs, essentiellement hôteliers, je crois. C'est très intéressant pour nous et pour un CDT de participer à ce genre de manifestation. On est ici dans le hall de l'Oranger à Roissy pour assister aux premières bourses d'échange. Alors d'abord, c'est une initiative Office de tourisme de Roissy. Le but de l'opération, c'est qu'en minimum de temps, c'est-à-dire 3 heures, tout le secteur du tourisme aux alentours, on a pris un rayon de 10 km autour de Roissy, tout le monde se présente, fasse connaissance, et puis surtout, c'est des échanges pour que chacun se distribue sa documentation touristique. Ça évite tout simplement de faire la tournée des popotes chaque année pour donner sa documentation. Donc la première chose, c'est ça. Deuxième chose importante, c'est, n'oublions pas, on est à Roissy en France. On a invité tous les réceptionnistes, les directeurs des hôtels pour qu'eux aussi voient l'offre aux alentours de Roissy. Roissy est une terre d'escale. Plus d'1 500 000 personnes séjournent à Roissy chaque année. Et notre objectif, qui n'est pas une mince affaire, est de permettre à tous ces prescripteurs, que sont les réceptionnistes, de leur montrer qu'il n'y a pas que Paris. Bon, Paris est là, l'attraction de Paris est là, elle sera toujours là. Mais de montrer qu'autour, on a une offre de qualité, Château des Coins, Musée de l'Air, Senlis, Chantilly, etc. Et tout ça tient dans un mouchoir de poche juste à côté de Roissy.